présence. Je veux juste t'acclamer avec mes bien-aimés. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame bien plus fort. Maintenant, les femmes acclament le Seigneur. Maintenant, les femmes acclament le Seigneur. Maintenant, les flammes acclament le Seigneur. Maintenant, les messagères de la bonne nouvelle acclament le Seigneur. Maintenant, celles qui sont enrôlées dans cette grande armée, des femmes puissantes, des femmes servantes, des femmes vaillantes, des femmes qui annoncent les vertus de Jésus, que les femmes de foi acclament les Seigneurs. Que les filles de foi acclament le Seigneur. Là où il y a les femmes, c'est la maternité, oh. Là où il y a les femmes, c'est la maternité, oh. À la maternité, il y a du bruit. Là où il y a les femmes, c'est le marché. Là où il y a les femmes, c'est le marché. Là où il y a les femmes, c'est partout. Alors il y a du bruit, le bruit de la maternité. Milolo yabasi, milolo yabasi, milolo yabasi. Que le Seigneur soit béni. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Que Dieu soit béni. Amen. Pour ce culte dédié à la femme. Je sais que vous avez remarqué que les femmes sont là, n'est-ce pas? Un pagne, mais plusieurs modèles. Un pagne, mais plusieurs modèles. Si c'était les hommes, costume, chemise, noir, noir. Mais un pagne, plusieurs modèles. J'aimerais dire aux frères célibataires, si tu n'as pas une femme, ta maison est compliquée. Lorsque tu auras une femme, il y aura une fleur, il y aura une nappe, il y aura quelque chose comme ça. Alors acclamons le Seigneur pour nos belles dames. Pour nos belles dames. J'allais juste dire comme une publicité, pour ne pas citer le nom de l'entreprise, mais les femmes de la foi arrivent. On arrive. Elles sont en formation. D'ici là, vous allez sentir l'impact des femmes de foi dans cette église. Il y a une femme qui le croit, acclamons le Seigneur. Wow. Que Dieu soit béni. Nous remercions le pasteur pour l'opportunité qu'il nous donne, qu'il nous a confié tout un culte. Nous étions à la modération, nous étions dans toutes les prestations devant et aussi à la prédication. Merci au pasteur qui croit au ministère de la femme. Merci au pasteur qui est en train de faire la promotion de la femme. Amen. Plusieurs ne croient pas au ministère de la femme. Plusieurs croient au ministère de la femme, mais ne prennent pas le risque d'exposer les femmes. Seigneur, merci pour le pasteur qui nous a donné, qui nous permet de nous épanouir dans le don et la grâce que nous avons. Acclamons le Seigneur pour lui. Ainsi, ce matin, pour ne pas te dire femme, sois une femme. Comme on nous a dit le dimanche passé, soyez des hommes. Mais je pense que par la grâce de Dieu, ce matin, tu vas recevoir l'instruction de Dieu par rapport à ta féminité ou par rapport à toi qui es femme ici. Mais pendant que je serai en train de prêcher, ça va aussi aider les hommes et ça sera comme un carnet, un canevas pour nous tous. Ça va aider les mariés, ça va aider les célibataires, ça va aider les femmes âgées. Amen. Alors, plusieurs exemples dans la Bible nous parlent des femmes. Quand on fait les recherches et en interne, quand on débat avec les femmes de l'Église, nous avons plusieurs femmes, plusieurs types de femmes et nous apprenons beaucoup des femmes. Mais aujourd'hui, ou déjà par la grâce de Dieu, j'ai eu à cœur de parler en fait des trois femmes. Alors mon thème ce matin, c'est que m'enseignent ces femmes dans la Bible. Deux points. C'est que m'enseignent ces femmes dans la Bible. Je parlerai de Rebecca, je parlerai d'Abigaël. Je parlerai de la prophétesse Anne qui est citée dans Luc 2, 36. Pourquoi je prends ces trois femmes? Il y en a plusieurs, si c'est une série, on peut avoir un dimanche pour chacune de ces femmes. Et je demande au Seigneur de me donner la sagesse de gérer mon temps pour pouvoir relever les qualités de ces femmes. Les défauts, elles en avaient, mais aujourd'hui je veux plus promouvoir les qualités. Alors quand je parlerai de Rebecca tout de suite, ça sera dans la catégorie de jeunes filles.
Quand je parlerai d'Abigaïl, ça sera pour toucher les épouses. Rebecca, femme célibataire, Abigaïl, les épouses, mais aussi lorsque je parlerai, ou enfin, de la prophétesse Anne, là, ça va porter sur les femmes âgées. Amen. Ces femmes âgées qui sont mères, ces femmes âgées qui sont veuves, ces femmes âgées. Amen. C'est pour dire que toute catégorie, toute période de la vie d'une femme, il y a des leçons, il y a des choses qu'on apprend, il y a des choses qui nous aident. Et dans la Bible, bien-aimé, tu remarqueras que si tu es vraiment, tu as le temps de faire l'étude de la parole de Dieu, tu vas voir que chacune des vies est une leçon pour nous. Les trois femmes de la Bible nous serviront de modèle en tant que célibataires, femmes mariées, femmes âgées. Alors, nous allons commencer avec Rebecca. Les célibataires sont là, les jeunes filles sont là. Cette histoire se trouve dans Genèse 24. Nous pouvons déjà avoir nos Bibles parce que j'aurai à sauter des versets. Je parle de Rebecca et l'histoire de Rebecca, c'est dans Genèse 24. Nous pouvons déjà ouvrir le chapitre 24 de ce récit. Alors, Rebecca, bien-aimée, nous savons tous que c'était la femme d'Isaac. Isaac qui était cet enfant attendu d'Abraham. Et nous savons comment elle a été choisie. Et nous tous, nous savons quelle qualité elle avait. En fait, Abraham est devenu vieux. En devenant vieux, il dit à son serviteur, Éléazar, il dit, vas-y, me chercher dans mon pays, dans ma patrie, une jeune fille qui sera l'épouse de mon fils Isaac. Alors, il a fait ce voyage, ce long voyage. En faisant ce voyage, il avait déjà prié. Il avait l'instruction de Dieu. Il avait déjà des indices et il était conduit par l'Esprit en disant, « Seigneur, la fille qui répondra à ces indices, la fille qui répondra, je ne sais pas, à ces toisons, la fille qui répondra à ces critères, cette fille sera l'épouse de Isaac. » Mais bien-aimée, Rebecca n'en savait rien du tout. Bien-aimée, Rebecca ne savait pas qu'elle était dans le programme. Bien-aimée, Rebecca ne savait pas qu'elle était même dans la prière. C'est ce qui est terrible. Bien-aimée, Rebecca ne savait pas qu'elle était l'objet d'un complot ou d'un plan, pas du tout. Au contraire, il n'y avait pas un nom, il y avait juste des critères. Il n'y avait pas de nom. C'est après que tu te rends compte que les critères répondaient à Rebecca. Amen. Les critères étaient bien là. Alors il fait son voyage et dans son cœur, il priait, il faisait une prière. Il dit, je veux mettre ce toison et je dirai, Seigneur, la fille qui sera gentille, la fille qui sera serviable, cette fille qui acceptera de me donner de l'eau, oui. Cette fille qui acceptera de donner l'eau aux chameaux. Cette fille qui sera prompte à me servir. Cette fille sera l'épouse de Isaac. J'aimerais te dire en passant que Isaac, ce n'était pas n'importe qui. C'était le riche héritier d'Abraham. Parce que même quand il présente Abraham, il dit que mon serviteur est riche. Et nous savons qu'Abraham était grand. Amen. Regarde comment cette destinée se joue. Alors il arrive aux heures du soir, nos Bibles sont ouvertes, il arrive aux heures du soir, il y avait plusieurs filles. C'était l'habitude, les filles allaient aux heures du soir pour puiser de l'eau. Alors il arrive aux heures du soir où il y avait plusieurs filles. Alors curieusement, cette fille se démarque, cette fille va vers lui et cette fille bien-aimée donne non seulement de l'eau à ce serviteur, au serviteur, mais aussi à tous les chameaux. Alors bien-aimée, elle donne de l'eau. Et la Bible dit que Éléazar regarde et il était étonné. La Bible dit qu'il était étonné. Il observait cette fille et il était étonné. Il était étonné, pourquoi? Parce que la Bible dit qu'elle se pressait de le faire. Elle le fit avec empressement. Alors, bien-aimés, nous lisons Genèse 24, verset 17. Le serviteur courut au-devant d'elle. Elle dit, « Laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle alla s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. 19. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Wow. » Je vais puiser aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Les chameaux prennent de l'eau à gogo. Amen. Mais la Bible dit qu'elle se pressait de le faire. Elle se presse, mais c'est un inconnu. La Bible dit qu'elle s'abaisse pour prendre la cruche.
Non seulement ça, elle court pour donner aux chameaux. Elle accourt encore pour donner les chameaux. Elle accourt encore pour donner aux chameaux. Alors, bien aimé, la Bible dit au verset 21, l'homme l'a regardée avec étonnement. Ce qui étonne, c'est ce qui est rare. Ce qui étonne, c'est ce qui n'est pas commun. Je suis là et je regarde les jeunes filles. J'aimerais te dire que c'est très difficile de réussir ces paris. Amen. Hein? Alors, il s'étonnait. Il regardait. L'homme regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage. Amen. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du bois d'un demi-sicle et deux bracelets du poids de 10 sicles, 23. Et il dit, « De qui es-tu fille ?» Dis, mais c'est terrible, jeune fille. « De qui es-tu fille ?» Je te prie, y a-t-il dans ta maison ou la maison de ton père une place ? La fille répondit, écoutez-moi, la fille répondit, je suis la fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor, 25. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du forage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Oh là là, hospitalière. Gentille, serviable, ça fait beaucoup. Hein. Mais elle ne savait pas que c'était pour le mariage. C'était même pas calculé. Elle ne le faisait pas parce qu'elle avait un calcul ou avait intérêt. Non, sans intérêt. Amen. L'intérêt sans intérêt. Des fois, nous tombons dans le piège d'être gentils parce que nous savons que nous allons recevoir quelque chose. Mais elle ne le faisait pas parce qu'elle était gentille. Alléluia. Donc, bien-aimée, première qualité à retenir, jeune fille ou célibataire, elle avait le savoir-faire. Elle avait le savoir-faire. Pourquoi je le dis? Parce que bien-aimée, je remarque, j'essaie de voir la moyenne qu'il pouvait avoir. Bien-aimée, elle était au bon endroit, l'endroit où les filles aptes allaient puiser de l'eau. Je suppose que les paresseuses étaient à la maison. Amen. Je suppose que les filles qui ne voulaient rien faire étaient à la maison. Mais se retrouver où on puisait de l'eau. Et même en puisant de l'eau, elle n'a pas donné le minimum, elle a donné un service au prix du sacrifice. N'est-ce pas que nous savons, jeunes filles, que généralement, même quand on rend service, non seulement qu'on boude d'abord d'aller faire ce qu'on doit faire, non seulement qu'après avoir boudé, on donne simplement le minimum. Plus jeune, avec ma sœur, c'était cette bataille, hein. Maman m'a demandé juste de balayer. Je ne vais pas faire la vaisselle. Amen. Maman m'a demandé seulement d'essuyer. Je ne peux pas nettoyer. Alléluia. Maman m'a demandé simplement de toucher ici. Là-bas, même si c'est sale, je ne veux pas toucher. Et on faisait comme des lignes comme ça. Moi, c'est vers les chambres. Toi, c'est vers le salon. Et toi, c'est vers la cour. On est ensemble. Jeune fille, on est ensemble. Alors elle était là, elle le faisait de tout son cœur, elle savait le faire. La Bible dit qu'elle s'est penchée, la Bible dit qu'elle courait, la Bible dit qu'elle s'empressait. N'est-ce pas que même dans l'église ici ou bien dans la famille, on sait repérer les filles qui ont le savoir-faire? N'est-ce pas que même dans nos familles, quand il y a des fêtes, il y a des filles où tu dis, celle-là il ne faut même pas, parce que si elle doit préparer là, bitoto. Alléluia. Mais il y a des filles où tu te dis, même si je dois recevoir 10 invités, je veux juste laisser le programme, cette fille fera tout. On est ensemble. La Bible dit que le serviteur regardait avec étonnement. Étonnement. Elle dit, elle va au-delà. Si elle m'avait juste donné de l'eau, ça pouvait. C'est pas mal déjà. Si elle avait juste opté de faire calmement et donner aux chameaux, ça allait être bien aussi. Mais pourquoi elle court? Pourquoi elle s'abaisse? Vous avez dans les familles des gens comme ça. Moi, il y a un visage qui arrive. Ma sœur est née. Mais ça, c'est un tracteur. Amen. Tracteur. Elle court, elle sèche, elle fait ceci, elle prépare, elle arrive là. Vous avez un nom comme ça? J'espère que c'est toi un tout petit peu. Amen. On y va ensemble. Tracteur. Quand les autres sont bien sapés à la fête et tout, make-up et tout ce que tu veux, elle non, elle se préoccupe de savoir ce que les invités vont manger. À la fin, oh, après la fête, elle n'est pas pressée de partir. Elle se rassure que maman n'aura pas un travail à faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la vaisselle, elle classe, elle fait tout. Ce sont des amis comme ça qu'on aime avoir quand on se marie. Ce sont des filles comme ça qu'on aime quand on n'a plus de force.
Ce sont des filles comme ça qu'on aimerait toutes avoir en disant, oh, après la prédication, je veux juste m'allonger, elle va me servir, elle va tout nettoyer, elle va tout faire. Mais cette fille avait ça. Alors le serviteur regarde et dit, waouh, quel savoir-faire. Mais ne s'arrête pas là. Deuxième qualité, cette fille bien-aimée avait bon caractère. Alléluia. Cette fille avait bon caractère. Bon caractère, pourquoi? Parce que la Bible dit que non seulement au verset 24 à 25, après avoir fait ça, quand on demande à cette fille, est-ce que chez vous il y a de la place? Elle dit oui, il y a de la paille, il y a du froment, venez chez nous, vous pouvez y passer la nuit. Elle était gentille, elle était serviable, elle était juste waouh. Alors le serviteur dit, ça c'est pas croyable. Celle-là, elle va même au-delà de ma prière. Ma prière, c'était juste celle-là qui donnerait de l'eau. Mais cette fille est gentille. Elle court vite, elle arrive chez eux. Maman, maman, maman. Elle retourne. Là-bas, mon frère, là-bas, mon frère. Regarde. Il y a même un détail terrible. Lorsque le serviteur avait remis l'anneau et puis le bracelet en or, cette fille innocente comme tout, elle avait montré à son frère, elle avait montré à ses parents. Je ferme vite cette fenêtre, hein, que je l'ouvre, jeune fille. Que je l'ouvre, hein. On a compris, hein. On a compris. Quand on te donne quelque chose, il faut montrer, là. Vous connaissez des choses comme ça? Elle court, elle en parle avec innocence, elle part, regardez ce qui s'est passé. J'étais là, il y a un monsieur qui est arrivé, regarde, il m'a donné ça, et puis il m'a donné ça. Vous connaissez des filles innocentes comme ça? Ou quand tu étais innocente comme ça? Ou bien comme tu es innocente comme ça? Quand on te montre quelque chose, on te donne quelque chose. Maman, regarde, il y a un vieux du quartier, là, un vieux du quartier, là, qui m'a donné ça. Non, les mamans disent non, elle ne montrait plus. Maman, elle montre? Non. Amen. Elle en parle, elle était gentille. Il y a des filles bien-aimées qui travaillent dur. Il y a des filles bien-aimées, savoir-faire, ok. Mais caractère, zéro. Et encore si elle torchonne, n'ose pas entrer. Je suis là avec les femmes. Si elle torchonne, maniaco-dépressive, et tu as piétiné la saleté vraiment dans cette maison. Et alors, vaut mieux pas que tu travailles parce que quand toi tu travailles, tu stresses tout le monde. Amen. Quand tu travailles, tu stresses tout le monde. Tout le monde sait. Ok, faut pas. Tu sais, elle travaille. Hein. Ou bien quand tu prépares là, après, vous nettoyez vos assiettes. Hein. Il faut pas déposer là. On est ensemble. Mais cette jeune fille, non seulement qu'elle avait le savoir-faire, mais bien aimée, elle était gentille, elle était serviable. Elle avait bon caractère. Mais bien aimée, ça ne s'arrête pas. Quand tu lis la Bible, j'aime aussi cette qualité de cette jeune fille. Cette jeune fille était sensible. Au verset 24, la Bible dit, je saute, 55. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-les-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelez la jeune fille et consultons-la. 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? J'aime bien la réponse. Elle répondit, j'irai. J'irai. La maman demande 10 jours. Eléazar, canon. Il dit non, je suis KO, cette femme. Je la prends tout de suite pour mon Seigneur. Et la maman dit non, accorde-nous 10 jours. Peut-être le temps de préparer, d'apprêter encore la fille. Il dit non, j'ai été exaucé. Donnez-moi cette jeune fille directement. Alors il dit ok, d'accord, nous allons demander à la fille. La fille, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle dit j'irai tout de suite. En lisant au début, j'étais effrayé, mais après j'ai dit non, cette fille était très sensible. Jeune fille, peux-tu être sensible? Il y a des temps et des saisons comme ça où ça bouge. C'est des temps où quand il vient là, c'est un oui direct. Ce n'est pas des choses, je vais réfléchir, donne-moi un jour, je monte d'abord à Mangengenge, après Mangengenge, les temps que je descends, toi tu penses que tu es la seule sur la terre. Amen. Sensible.
Elle dit, moi, maman, moi, je ne vais pas attendre. Voilà mon bonheur. Moi, je vais y aller. Elle ne savait pas qu'elle deviendrait la mère de qui? De Jacob, la mère d'Israël. Elle ne savait pas qu'elle deviendrait l'épouse d'un grand monsieur. Elle ne savait pas qu'elle deviendrait l'épouse d'Isaac. Isaac, ce n'est pas n'importe qui dans la Bible. Sensible. Mais sa destinée était en train de se jouer entre son savoir-faire, entre son caractère, entre la sensibilité. Mais il y a aussi une autre qualité. Au départ, on dit qu'elle était belle, mais elle était vierge. Il y avait aussi une autre qualité, entre aussi sa pureté. Vous êtes avec moi? Donc, elle avait déjà cela. Elle avait les qualités qu'il fallait. Pourquoi? Pour entrer dans cette grande destinée. Que des filles qui demandent à Dieu, « Je veux une grande destinée. » Que des filles qui disent « Je veux un mariage de rêve ». Il y a des filles qui disent « Seigneur, je veux telle ou telle chose ». Mais est-ce qu'au préalable, elles ont le savoir-faire? Avec nos ongles plaqués, là, ça devient encore plus compliqué. Est-ce qu'au préalable, elles ont le savoir-faire? Est-ce qu'au préalable, elles ont le caractère? Être au préalable, elles ont la pureté? Est-ce qu'au préalable, elles ont la sensibilité? Non. Que des démons. Démons des célibats, des fois c'est pas démons des célibats. Des fois il y a un problème de caractère sévère. Des fois il y a un problème de savoir-faire sévère. Des fois il y a un problème de pureté sévère. Des fois il y a aussi un manque de sensibilité. Ou aujourd'hui tu regardes via les réseaux sociaux, tu dis « Mais ce garçon m'est dragué, pourquoi je n'avais pas vu ?» Parce que toi tu attendais quand il deviendra premier ministre. Quand c'était ton collègue de classe là, où vous pouvez vous passer les notes là, au bandeau tu as écarté. Que Dieu t'ouvre les yeux derrière ce collègue de classe, derrière ses frères en Christ à côté de toi, qui est encore au brouillon là, que tu vois Isaac. Hein? Des fois ça se joue comme ça. L'homme de ta vie, c'est comme une blague. C'est un oui, c'est un non. Et tu peux avoir un beau charmeur qui a tout, qui a des millions, qui a l'argent, mais tu sens ton cœur ne bat pas. Ton cœur ne fait pas quoi? Ne bat pas. Mais tu vois un monsieur là qui n'a pas vraiment, qui n'a rien, pour ne pas choquer, qui n'a rien. Ok, qui n'a ni beauté, qui n'a éclat, mais qui te donne la paix comme la paix que j'avais ressentie quand mon mari, le pasteur, était venu. Et après 16 ans, tu dis, waouh, libakuna zelwe, nazwa langa pe bien. Il dit, va dans le pays de mon père, va dans le pays de mon père. Et c'était une fille qui consultait Dieu, vous connaissez, n'est-ce pas? Rebecca, c'était une fille qui priait, parce que lorsqu'elle a porté ses jumeaux, elle alla consulter Dieu. En Israël, c'était une culture, elle avait cette culture-là. Je pense que cette jeune fille aussi était sensible. Je demande au Seigneur de donner la sensibilité aux jeunes filles de la foi triomphante. Je demande à Dieu de donner le savoir-faire aux filles de la foi triomphante. Je donne mieux encore à Dieu le caractère, la gentillesse, la politesse, la serviabilité, le sourire. Bosse kakali soussouté, bosa kaka, méchant, méchant. Moi, je suis une femme de caractère. Quelle femme de caractère? On monte. Moi, je suis une femme de caractère. Hein. Même chez nous, on me connaît comme ça. Hein. Moi, je ne ris pas pour rien. Comment tu ne peux pas rire? Et jeune fille, comment? Il faut rire, il faut sourire. Sourire, ça attire, la gentillesse attire, la gentillesse ce n'est pas une faiblesse, la gentillesse c'est une qualité, la serviabilité. Nous allons dans les fêtes aujourd'hui avec les jeunes filles, bien aimées, elles ne sont même pas promptes à se lever pour te laisser la place, hein. Elles sont devenues impolies, hein. Elles seront là toutes pompantes là et tout, ce sont les tantes à moi aussi, ce sont les tantes qui sont à la cuisine, elle est déjà toute make-up et tout. Quand tu arrives, à moins que tu sois momie, hein, et momie il faut qu'elle te connaisse, si elle ne te connaît pas, elle ne va pas te laisser la place. Amen. Vas-y même où les femmes travaillent, généralement quand c'est un homme, madame qu'est-ce que vous voulez, je peux vous aider, est-ce que tout, mais quand, amen. Les hommes, amen. Les hommes, amen. Quand tu arrives et que c'est une femme, oh là là, gare à toi quoi. Ça commence, elle est déjà. Mais naïf ça tu es déjà. Hé maman, je ne suis pas venue te ruiner, je suis quand même venue déposer mon argent. Je suis quand même venue acheter.
Ça, ça te donne de l'emploi. Pourquoi tu es fière? Pourquoi tu es nerveuse? Règles douloureuses, hormones, bouffées de chaleur. On est connu. Si c'était toi et moi, à ce puits-là, on aurait eu zéro au test de Dieu. Ce test, c'était un test de caractère. Il a prié. Dieu a donné des prescriptions. Il a dit, si j'y vais et qu'une fille me donnait à boire, donnait la boire à mes chameaux, cette fille serait la grande dame de la destinée pour Isaac. Bien-aimé, tu as fait passer des fois des bonnes personnes à cause de ton sale caractère. Même si Rebecca avait refusé de suivre Éléazar, Éléazar, puisque c'était le serviteur d'Abraham, il avait des relations, il pouvait aussi l'aider. En ce moment-là, on ne parlait même pas encore mariage. Je parle à une jeune dame, même célibataire, qui n'aspire pas au mariage, mais des fois même des relations de destinée se jouent là par rapport au caractère. Amen. Parce que c'est dans la suite qu'on comprend qu'elle a accepté d'aller pour le mariage, mais au niveau du puits. Bien-aimés, nous savons que c'était juste son caractère, c'était la politesse. Essaye d'être poli avec tout le monde. Essaye d'être bien avec tout le monde. Amen. Tu sais, quand tu es même bien avec tout le monde, tu sais comment ça se passe? Ça se passe, ah, cette jeune fille, oui, je connais. Azara, bien, hein? Moi, avant qu'on me marie, on m'avait envoyé maman Aline. Maman Aline est venue, quartier là, elle est venue demander, vous connaissez cette fille là? Mon frère est intéressé, elle, comment vous la trouvez? Ok. Mais c'est la fille de quelle maman? Maman Tounas. Vous tombez bien. Si on venait poser la question, si on arrivait à poser la question, quelle réponse on aurait, jeune fille? Si on venait juste là poser la question, même dans ta famille, les gens vont seulement dire, et dans le cœur, il disait, Nzambe nangatato, amonifi moussou te kako, oyo makambo. Oyo. Parce qu'il y a des fois même des frères qui viennent, maman, comment tu trouves cette soeur? Elle est bien. Elle est bien. Si tu me vois faire, elle est bien. Elle est bien. Si elle est bien, je te dis, waouh, une bonne fille, elle est bien. Tu peux la prendre. Mais si elle est bien. C'est suspect. Alléluia! Alors il s'étonne, il dit, de qui est-elle fille? Mais ce caractère me dépasse. Qui t'a éduqué comme ça, jeune fille? Ouh, qui t'a éduqué comme ça? Comment tu es gentille? Comment tu es serviable? Quel homme ne rêve pas d'avoir une femme gentille? Vous êtes là tout en fleurs, nous sommes là toutes jolies. Mais il faut qu'aussi quand tu vis avec les gens qui sentent que tu as bon caractère, sinon tu sens mauvais, sinon c'est un mauvais parfum. Tu as mis make-up, tu as mis cabello, tu as mis les styles, tu as mis je ne sais pas, on a mis tellement, tu as mis boutou, tu as... On concilère, concealing, concealing. Mais dans les concilières, concealing, si tu mets gentillesse, tu mets politesse, tu mets générosité, tu mets douceur, tu mets ceci. Quand tu ouvres ta bouche, les gens disent, de qui est-elle fille? Oh, cette fille, c'est où qu'elle prie? Dans quelle réserve elle est sortie? Le diable veut nous donner d'abord le paraître que le être. Travaillons aussi l'être, jeune fille. Travaillons ça. Tu es spirituel, tu pries, tu es coquette, mais tu y es. Moi, n'a mal amour. Aucun réflexe, même pas de l'eau. Elles ne savent même plus comment on sert. Elles ne se soucient même pas de ça. Et une fois mariée, malheur à ton mari. Une fois mariée, malheur à ta belle famille. Oh là là. Oh là 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 là. Baye soussou. Ouf. Ouf, oh là là. Je suis juste fatiguée. Déjà savoir faire, c'est comme si elle était punie. Tu vois les filles quand on envoie travailler, tu as l'impression qu'elle est punie. Ça c'est la punition fatale. Qu'est-ce que c'est? On m'a demandé de faire toute la vaisselle vraiment. Est-ce qu'on peut vraiment demander à quelqu'un de faire toute la vaisselle? Où? Vas-y maintenant dans les agapés, pour manger et comprendre comment les jeunes filles ont baissé dans le savoir-faire. Vas-y et comprendre comment nos filles ont baissé dans le caractère. Vous suivez un peu TikTok pour comprendre ce que nos filles font. Une fille peut parler comme les filles parlent aujourd'hui. Une fille peut se tenir comme nos filles se tiennent aujourd'hui. Une fille peut bouger ses lèvres comme elles font aujourd'hui.
Après, vous savez, célibat. Démon de célibat. Démon de ceci. Des fois, ce n'est pas démon de célibat. Il y a des Éléazar qui sont passés à ta porte et ils ont fui. Je répète, il y a des Éléazar qui sont passés et qui ont fui. Énergie et salinini. Et les kiob. Les filles sont avec moi. Les filles sont avec moi. En préparant même le message, quand j'ai dit sensibilité, bien aimé, c'est important. C'est pourquoi une jeune fille, ce sont des phases de la vie. Là, je ne parle pas de l'épouse. C'est des moments où tu dois prier. C'est des moments où tu dois être concentré et dire, Seigneur, la bonne personne de la destinée, la bonne personne, je ne sais pas, pour, je ne sais pas, des ouvertures quelconques. Parce que j'ai dit, il y avait certes le mariage, mais avant le mariage, il y avait cette bonne relation avec le serviteur d'Abraham, qui pouvait aussi apporter autre chose dans sa maison. Même si tu es célibataire et que tu n'es pas encore marié, s'il te plaît, ton caractère, tu peux le travailler, parce que si tu as mauvais caractère, les gens vont te fuir et ils ne vont pas te le dire. Tu auras un problème sérieux de recommandation. Les gens vont dire, oui, je peux recommander, le savoir-faire est là, mais elle a un problème de caractère, elle a un problème de ceci. C'est pourquoi à chaque fois, il faut s'évaluer. Et les mamans, nous devons aider nos filles. Pourquoi? Parce que ça peut être un blocage pour leur destinée. Car il y a un test qui se faisait sur elles. Mais bien aimé, ce qui est triste, même en préparant le message, quand on dit que Rebecca était belle, je me suis dit, Seigneur, je ne m'attarde pas sur belle parce que les filles, toutes les filles sont devenues belles. Avec make-up, toutes les filles sont belles. Mais la Bible dit, elle était belle, mais elle était vierge. Mais quand j'ai commencé à écrire vierge, j'ai dit, ça c'est un dossier qu'il ne faut jamais toucher. Alors, je suis au niveau où tu te convertis. Tu as peut-être loupé. Tu n'es plus vierge. Mais le problème, c'est au niveau, quand on parle de la virginité, où il y a aussi la pureté, il y a l'innocence. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Parce que la Bible dit, quand elle est allée vers Isaac, et qu'on lui dit que ce monsieur-là, c'est Isaac, le réflexe que Rebecca a eu, elle a pris le voile, elle s'est cachée. Amen. Elle n'avait pas son voile sur elle. Mais quand on a dit, voilà, le monsieur dit, waouh, c'est lui qui sera mon époux, elle a pris le voile, elle s'est couverte. Donc elle avait ce qu'on appelle retenue, retenue. Qu'une jeune fille me dise, retenue, retenue. Elle a dit, puisque ça sera mon homme, la Bible nous enseigne, c'était quoi? Je veux maintenant me couvrir jusqu'à ce que Isaac avait pris Rebecca pour amener dans la tente. Avant la tente, le lieu où il devait se connaître, la Bible dit qu'elle avait pris son voile, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait couvert. Même si avant de te convertir, tu as connu des hommes, avant de te convertir, une fois que tu te convertis, la fille chrétienne doit être pudique. Non, il faut qu'il y ait des amens pour des choses comme ça, bien-aimés. Sinon, nos petites filles, bien-aimées, ce sont des valeurs qu'on doit inculquer. On n'a pas le choix. On doit inculquer ces valeurs. On a peur d'en parler, mais entre-temps, tu as ta fille de 12 ans, tu as ta fille de 11 ans, tu aimerais bien qu'elle reste comme ça, n'est-ce pas? Mais alors, pour ne pas vexer, on y va quand tu es converti. Quand tu es converti, bien-aimé, ce n'est pas le système qu'on a aujourd'hui. Une fille, au lieu d'attendre même qu'un homme vienne vers elle, elle-même, elle fait quoi? Elle se dévoile. Voilà l'enseignement. Avant même que tu la cours derrière, elle-même, qu'est-ce qu'elle dit? Mais qu'est-ce qui se passe? Pour moi, tu ne me touches pas. Il faut me toucher, non? Toi, tu es comment? Tu as un problème? Frère, tu n'as pas de problème. Frère, tu es normal. C'est elle qui a un problème, et un problème sérieux. Un problème sérieux. Elle commence à se coller. Hé, toi, tu as des problèmes là-bas ou comment? Vraiment, même si on prie, même pas un petit bisou. Un bisou ici, un bisou ici, un bisou ici, et puis un bisou un peu là-bas. Non, Yébisena Tikio. Une fille doit avoir des réserves. Une fille doit avoir des réserves. Je répète, une fille doit avoir des réserves. Je veux pète et je dis, une fille doit avoir retenu. Ce n'est pas que tu es là. Église, on est ensemble. Parce qu'il y a des frères profiteurs. Hein? Alors si tu es un frère profiteur, tu dis, frère, le voile, qu'est-ce que j'ai fait? Je le mets. Même pas ici, je me lis tous les corps. Je me ligote. Je me fais quoi? Je me ligote. Jusqu'au jour où on ira où? Dans la tente. Si tu attends la tente, quand on te découvre, c'est mieux. Si on t'a déjà touché, et touché, et touché, touché, après on t'a laissé. Ça fait mal. Hein? Je suis dans une réunion des femmes. Hein? Hmm?
quand on t'a touché, tout, et puis on épouse une autre, ça sera ta dure journée, ça sera la prédication, ça sera le mariage qui va te faire peur, qui va te faire pleurer. Mais quand vous avez commencé, que ça n'a pas marché, ok, vous ne vous êtes pas tripatrouillé, il épouse une autre, il n'y a pas de problème. La vie, elle est faite de séparation. C'est pourquoi avant qu'il t'épouse, s'il te plaît, voile. Linga. Kamatango Isusu. Linga. Coupure au tiers sur internet. Linga, 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 linga. On est ensemble. Pas ce qu'on veut nous montrer où le corps de la jeune fille est rien aujourd'hui. Pas ce qu'on veut nous montrer où une jeune fille, pour qu'elle dise qu'elle est femme, il faut qu'elle montre tout. C'est pas quand tu montres tout, c'est quand tu caches tout. Ce n'est pas ça. C'est le message que le monde actuel veut nous donner. Qu'est-ce qu'on voit via réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on voit sur TikTok? Qu'est-ce qu'on voit sur Instagram? Ce sont des femmes mariées même. Ce sont des grandes dames. Tu ne comprends rien. Tu n'as même pas demandé de voir sa poitrine. Elle te montre sa poitrine. Est-ce que ma Seigneur va mon agnon? Oh, t'es de quoi la sango fêle boyeko? Ma pète rango d'autre. Ma foute la rango d'autre. Yep, ça mon ma foute la rango d'autre. Oh, c'est quoi ça? On ne les a pas demandé. Il suffit juste d'ouvrir ton téléphone. Hey, maman, à 12h, à 12h. Donc même les jeunes garçons, maintenant ils ont compris que la poitrine est comme ça, la poitrine est comme ça. Réseaux sociaux, poison. Poison. Elle dit, c'est lui le monsieur. Oui, c'est lui le monsieur. Hey, elle a pris directement son voile. Elle s'est juste voilée. Mais le verset après, la Bible dit, quand Isaac prit Rebecca, il l'amena dans la tente. Il connut Rebecca. La Bible dit que Rebecca consola Isaac de quoi? De la mort, des pleurs de sa maman Sarah. Donc elle était apte, elle était capable, elle était jolie. Elle était jolie. Il est sorti de là, la Bible dit. Oh, il a même oublié sa maman. Ah, bah frère, il m'a oublié. Hein? Une pensée plus, la Bible dit, elle consola Isaac. Oh, Isaac est sorti de là, il rigolait. Vous vous souvenez même de l'histoire de Abimelech, c'est ça, non? Quand il les a vus à deux, ils étaient tous complices là. Parce que les gens pensent que si tu n'as pas fait la vie, lorsque tu vas te marier, tu seras fouteur. Et ça, c'est mon experte. Des fois, quand tu fais ça en désordre aussi, pour ça, il y a qui yanké. Réunion des femmes. Réunion des femmes. Du reste, il y a des hommes qui préfèrent apprendre à leurs femmes, qui n'aiment pas les expérimenter. Amen. Pure, belle, mais pure. Belle, mais pure. Belle, mais pure. Si tu es belle, ça ne veut pas dire que tu dois. Non, ta beauté là, Dieu sait pourquoi il t'a créé comme ça. Alors, waouh, ça fait du bien. Acclamons le Seigneur pour des filles comme ça. Encourageons nos adolescentes, encourageons nos filles de l'Écodim, encourageons, pensons à nos filles. Si vous ne voulez pas qu'on prêche par rapport à ça, ce n'est pas correct. Parce que nous avons des filles de 10 ans, nous avons nos jeunes filles, nos petites filles. Tu n'aimerais pas que ta fille soit comme ça, n'est-ce pas? Quelle maman voudrait de ça? Quelle maman voudrait de ça? C'est pourquoi, jeune fille, pense aussi à ta fille quand tu fais ça à la fille de l'autre. Arrêtons, attendons. Et j'aimerais te dire, la maman à côté te regarde et dit que si, bien-aimé, tu te maries, il y a des jours où tu te fatigues de ça. Quand tu n'as pas payé le loyer, quand tu n'as pas payé l'électricité, quand tu n'as pas payé de l'eau, des fois ça ne te dit rien. Les mariés m'ont compris. Rebecca, elle m'enseigne beaucoup de choses. Elle avait réussi dans l'apprentissage. Une fille prête avant le mariage. Amen. Une fille prête avant le mariage. C'est pourquoi j'ai dit le savoir-faire. Elle avait déjà bon caractère avant cela. Elle avait bon caractère avant cela. Elle était gentille. Elle était serviable. Bien-aimée. Deuxième, Abigaël. Dis à ta voisine Abigaël comme femme, Marie. Abigaël. Bien-aimée, cette étape de jeune fille est passée. Les filles m'ont compris. Si c'est un séminaire de 10 jours, on aura à dire et à dire et à dire. C'est un culte. Amen. Les filles ont compris. Les filles ont pris le gros voile. Les filles vont surprendre les mamans à la maison. Maman, laisse-moi, c'est moi aujourd'hui qui vais faire la vaisselle. Maman va dire, oh l'autre, ils ont des...
On est ensemble. Des filles qui vont parler différemment, quoi, hein, différemment. Qui vont utiliser s'il te plaît. Qui vont utiliser désolé. Qui vont utiliser pardon. Qui vont pas dire kebanayo, non, là que ça yo. On garde ça pour Atima, n'est-ce pas? Abigaël. J'aime bien cette histoire. C'est dans 1 Samuel 25. 1 Samuel, chapitre 25. À partir déjà du deuxième verset, ça on le sait. Mais je relate les faits. À cette époque, David n'était pas encore roi. Saül était là, il était en fuite. Mais c'était déjà le grand David. Le grand David qui avait toute une troupe. Le grand David qui avait toute une armée. David qui était l'homme fort. Alors David va en cavale et il devait faire une pause chez Nabal. Parce que Nabal était riche et Nabal pouvait donner à boire à ses serviteurs et aider David. Mais dans cette course, dans cette marche, il est buté à une réalité. La réalité est laquelle? D'un monsieur qui était riche, mais un monsieur qui était fou. La Bible dit, Nabal veut dire fou, fou. Mais la Bible précise que Nabal était riche. Nabal, le mari d'Abigaël. Alors dans ces circonstances, qu'est-ce qui se passe? Il était odieux, très odieux envers David, ses serviteurs, et on envoya le message. Mais cet homme a été sauvé à cause de la sagesse de sa femme. Alléluia. Cet homme fou était sauvé à cause de la sagesse de sa femme. D'une main, j'ai l'homme fou. D'une autre main, j'ai une femme sage. On dit Abigaël, c'est une femme, entre parenthèses, dans la Bible, de bon sens. Mais on dit Nabal, cet homme riche, mais un homme fou. Quel couple. Amen. Quel couple. Une opportunité de vie se présente. Un grand David, qui devait devenir le roi d'Israël, déjà oint, se présente devant leur maison, mais Nabal dit à ses serviteurs, « C'est qui ce monsieur? Qu'est-ce qu'il me veut ce monsieur? Pourquoi je veux donner à cet homme à boire? Pourquoi je veux servir cet homme? Allez dire à cet homme que je n'ai que faire de lui, qu'il aille là-bas. » Waouh! On parle de David qui avait des vaillants hommes. On parle de David qui avait une armée. Il ne garde pas sa langue. Il ne se maîtrise pas. Il est odieux envers David. On envoya des émissaires, on dit cela à David. David était fâché. David, c'est un homme de guerre. David dit, c'est qui ce monsieur? Non seulement que je suis courtois, j'envoie mes serviteurs, mais lui, qu'est-ce qu'il me dit en retour? Qu'il ne va pas nous servir. Il nous dit qu'il n'a que faire. Alors je vais envoyer mes gens, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener l'épée dans sa maison, ils vont détruire toute sa maison. Pourquoi? Parce que Nabal était odieux, Nabal était vulgaire, Nabal ne respectait personne, Nabal n'écoutait même pas ses serviteurs. Amen. Alors les hommes de David sont en route, ils vont là-bas pour détruire la maison. Les serviteurs vont dire à l'épouse de Nabal, Nabal a fauté. Nabal a dit ceci, voilà que David est en colère. David va faire périr toute la maison. Abigail dit, qu'est-ce qui se passe? Toute la maison. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ceci, il a fait cela. La femme dit, ok, ne dites rien à mon mari. J'aimerais qu'une épouse dise, ne dites rien à mon mari. Amen. Ne dites rien à mon mari. Je vais accourir et je vais faire quoi? Je veux restaurer la paix, je veux supplier cet homme. On est dans notre chapitre, n'est-ce pas? 1 Samuel 25, les Bibles sont ouvertes. Alors elle va. Elle tombe. Elle dit, mon Seigneur, pardonne-nous. Mon Seigneur, désolé. C'était même à moi de gérer ça. C'était à moi de vous répondre. Mais malheureusement, il y a mon mari. Mon mari, en fait, là, il est stupide. Regarde ce qu'il a fait. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-nous. S'il te plaît, Seigneur, il donne des éloges à David. David. Et la Bible dit qu'Abigail était belle. Hein? Ça, c'est en passant. Il donne des éloges à David, il fait des éloges, il dit pardon, épargne ma maison, s'il te plaît. La Bible dit que la colère de David, c'est ça. Il dit, puisque tu as été comme ça, je ne veux pas tuer la maison. Je m'arrêtais à Proverbe 14, verset 1, la sage-femme bâtit la maison. Mais depuis un moment, quand je lis cette histoire, je fais mes études, cette femme m'enseigne ces choses.
Abigail m'enseigne quoi en tant qu'épouse? Abigail m'enseigne que dans les couples, vous n'aurez pas tous des points forts. Il y a quelqu'un qui est avec moi. L'Abigail m'enseigne que, au fil de temps, tu vas connaître les faiblesses de ton mari, les lacunes de ton mari, et tu dois travailler pour, et tu dois protéger ta maison par rapport à cela. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Lorsqu'on se marie, jeune fille, tu te maries, la première semaine on se croise, tu me diras, comment ça va le mariage? Très bien, très bien. Et ton mari, maman, il est parfait. Comment il est gentil, il est amoureux, il fait des câlins. Alors celle qui a fait 10 ans te regarde, qui dit, Zéla, non, non, il est bien, t'es. Les mamans sont là. Les expérimentés ont un sourire d'expérimenté. Il ne faut pas que les maris nous observent. Moi, je n'ose pas regarder. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, comment ça va? Très bien, je me souviendrai de la sœur Lisa. Très bien. Oh, il est chou, maman. Il est ceci. Je dis, oh, c'est vrai. Il est câlin. Il m'aide. Il m'aide. Il t'aide. Les hommes aident vraiment. La vaisselle des assiettes, là. Des assiettes, là, il va t'aider. Vas-y, donner la vaisselle des pondous, là. Est-ce qu'ils aident vraiment? Il va t'aider. Mais comment on fait? Laisse seulement. Laisse, moi-même, je vais faire. Il m'aide. Lune de miel, c'est bien, c'est parfait. Mais oh, après la lune de miel, on appelle ça période de désidéalisation. C'est ça, non? Désidéalisation. L'idéal est tombé. Les yeux deviennent. Tu te rends compte que c'est un fou comme Nabal. Elle-même, elle appelle son mari fou. Elle n'a pas insulté son mari. Son mari, c'était un fou. C'est qu'il avait fait ça. C'était un acte de folie. Comment tu peux insulter David? David, un chef d'armée. David, hey. David, un fou. Alors, elle observe toutes ces années. Elle regarde. Elle dit, ouh, mais moi, je suis tombée sur un fou, là. Mais elle dit, ok, si je suis simplement la folie de cet homme, qu'est-ce qui va se passer? On va détruire notre maison. Alors comme elle, elle était sage, elle accourt vers David. Elle fait quoi? Elle applique la sagesse et elle fait quoi? Elle protège la maison. J'aimerais te dire, femme, comme la Bible dit, bien-aimée, nous sommes, c'est vrai, ensemble, mais nous sommes différents. Tu as des côtés forts, il en a des faibles. Amen. Ne tombe pas dans les jeux des petites filles qui ne veulent pas voir, qui tombent dans le déni en disant toujours, mon mari est parfait. Au bout de 5 ans, ton mari n'est pas parfait. Moi, j'assume. Ton mari n'est pas parfait. Au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, là maintenant, tu te rends compte qu'il n'est pas du tout parfait. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Je donne cet enseignement, pote de temps. Il faut travailler le défaut de l'autre. Pourquoi? Pour que votre maison soit forte. Si tu ne tiens pas compte de cela, votre maison va faire naufrage. Votre barque va faire naufrage parce que tu es dans le déni. Si tu ne veux pas te rendre compte que ton mari est paresseux, bien-aimé, vous allez mourir de faim. Amen. Oh, ton mari est paresseux. Va chercher l'emploi. J'attends que mon ami m'appelle. Ton ami t'appelle. Ton ami là t'appelle. Excellence n'a que toi dans sa tête. Mais va demander. Non, toi va demander. Toi va demander. Sois un homme. Toi aussi dis à l'homme, sois un homme. N'aie pas peur. Ils nous ont dit sois. Nous aussi on dit soyez des hommes. Oh non, opportunité de travail. Non, c'est la femme qui va, qui amène le CV, qui vole le CV, qui vole le CV, qui vole le CV. Ton ami n'a pas le courage de venir, c'est pourquoi moi j'ai amené le CV. Il ne va même pas le prendre parce qu'il va dire ça. Qui envoie sa femme déposer le CV là. Ça, c'est quel genre de travailleur? Donc sa femme viendra travailler pour lui. On n'aura pas beaucoup d'amen des hommes, hein, ne vous en faites pas. Mais vous pouvez dire des amen vraiment. Hein? Ok. Ok. Alors elle regarde, elle fait son calcul. Au bout des années, quand tu es avec ton époux, tu regardes, tu dis, ça il sait faire, il est très fort dans ça. Ça, il est moyen. Ça, pas du tout. Ça, moi de mon côté, ça je ne sais pas faire, j'assume. Ça non plus je ne sais pas faire, mais ça quand même je peux le faire. Donc là, quand il va faillir dans ça, il faut que je me lève là. Amen.
Il faut que je me lève là. Il ne faut pas que je sois comme dans Acte 5, Ananias et Saphira. Ananias, on l'appelle pour mentir, pour ce qu'il devait donner à Dieu. Vous êtes avec moi, église primitive, la foi triomphante, on est ensemble. Ananias, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait. Mais on appelle sa femme. Pierre dit, on attend la version de l'épouse. J'aime ça. On responsabilise aussi l'épouse. On dit, l'épouse, qu'elle vienne. Si Saphira avait dit le contraire, Saphira serait épargnée. Elle n'a pas été épargnée. Pourquoi? Parce qu'elle avait menti comme son mari. C'était une bande de voleurs. C'était une bande de menteurs. Ne soyez pas une bande de menteurs. Ne soyez pas une bande de paresseux. Ne soyez pas une bande. Hein, vous critiquez vous deux des choses sur Facebook. Oh mon aki n'engi alati. Mobali parle. Eh alata qui m'a bé. Yo pas bien alata qui m'a bé. Bon comme il coupe là-bas sous mouki. Oh. Il y a des gens qui sont avec moi. Elle ouvre les yeux, elle dit, ce mari va me faire mourir. Si c'était une autre femme, elle avait dit, papa a dit seulement, même pas que papa a dit, pour que tu mettes ta main sur le je sais pas, le feu, tu vas dire, papa a dit. Non. Tu observes et tu le fais avec sagesse. Elle a dit, je veux le faire avec sagesse. Je veux le faire pour ma maison. S'il te plaît, deux fois, prends la peine. Tu écris toi-même et tu es avec le Seigneur. Tu dis, Seigneur, aide mon mari dans ça. Mon mari, c'est un paresseux. Aide mon mari dans ça. Mon mari n'aime pas visiter les gens. Seigneur, aide mon mari dans ça. Mon mari n'a pas d'amis. Seigneur, aide-moi dans ça. Mon mari n'a pas ceci. Parce que, bien aimé, les adultes, les femmes âgées vont te dire, la vie est faite de phases. Et père, quand un homme part, c'est là que tu vas te rendre compte que tu avais un bon ou un mauvais mari. Quand le mari décède, c'est là que devant les gens, tu vas pleurer. Mais dans ton cœur, tu vas dire, tu ne m'as pas rendu un mauvais service. Tu ne m'as pas rendu un bon service. C'est là que tu vas dire, on avait l'occasion d'acheter une maison. Pourquoi on n'a pas acheté une maison? On avait l'occasion d'épargner. Pourquoi on n'avait pas épargné? On avait l'occasion de bâtir nos entreprises. Pourquoi on n'avait pas fait ça? Les gens vont pleurer, mais tu verras une veuve qui pleure. En fait, elle ne pleure pas forcément parce que le mari est parti, mais elle se dit, on a raté des opportunités à cause de ce mauvais caractère. L'épée est entrée dans notre maison à cause de la folie de Nabal. Les épouses sont là. C'est pourquoi quand tu mûris, tu compenses, mais avec sagesse. Elle est restée avec ce mari, donc elle aimait ce mari. Elle est restée avec ce mari, donc elle respectait ce mari. Vous savez très bien Abigaïl, mais elle est allée pour sa maison. Des fois, bien aimée, pense à tes enfants. Pense à tes enfants. Pense à tes enfants. J'ai un débat depuis un moment. Les mamans qui gèrent l'argent, qui font comment? Bien aimé, depuis un moment, je prends cas par cas, au cas par cas, au cas par cas. Chaque épouse a son mari. Il y a des maris qui ont des tares. Et ces maris qui ont des tares, si tu n'es pas sévère avec, ce mari va faire quoi? La barque. À l'époque de Mouvancier, à l'époque, il y en a qui étaient nantis, qui ont construit, qui ont fait des choses, mais il y en a qui sont restés avec zéro. 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 Et quand tu parles avec ces femmes, elles te disent, on avait l'opportunité de bâtir, mais c'était des voyages. On avait l'opportunité des voitures, mais c'était les habits. On avait l'opportunité, c'était ceci. Femme, ne tombe pas dans ce piège. Achète-moi un super wax. Achète-moi des chaussures Louboutin. Achète-moi ceci. À un certain âge, dis, s'il te plaît, achetez des sacs de ciment. S'il te plaît, je vais manger le pondou. Je vais manger le haricot. Mais je veux ça parce que nous ne sommes pas éternels. Tu peux partir avant ou moi avant nos enfants. C'est pas qu'il est là. Viens. C'est pas qu'il est là. Il dort. Et puis tu dis, fais dodo, mon mari de tout cœur, fais dodo, tu auras des gâteaux. Isaac, regarde Novelas, suis Novelas, nous sommes à quel épisode, suis. Bokokoufa, yebisa muninga, bokoufa. Namokili alelo, ba naba okaniselo bangotia. Les papas, vous nous aimez toujours. Amen. Hein? Comme Abigaël, on vous aime. Comme Abigaël, on vous respecte. Mais comme Abigaël, les yeux sont ouverts. On observe. On dit, Nabal, fou, qui n'écoutait même pas ses serviteurs. Les serviteurs savaient que Nabal ne les écoutait pas. C'est pourquoi ils sont allés vers Abigaël. Ah, cette femme. Cette femme.
Ils sont allés vers Abigaël. Donc Abigaël est une femme qui fait quoi? Qui observe. Abigaël, c'est une femme qui observe. Et ce qui est formidable avec Abigaël, elle nettoie derrière elle. Elle nettoie derrière elle. C'est-à-dire, quand l'homme fait des dégâts, elle les nettoie. L'homme a déjà promis des dégâts, elle nettoie. Si tu vois ton mari avoir un problème avec son ami, s'il te plaît, ne lui dis rien. Va chercher l'ami. Va chercher l'ami. Pose la question à l'ami. Qu'est-ce qui s'arrive? Vous avez un problème? Papa, arrangez seulement, non? Tout ça et tout. Mais toi, c'est vraiment, ça, c'est pas un ami. Vraiment, cet ami-là, vraiment, cet ami, tu les as trouvés. Pire encore, son frère. Son frère. Ton mari a des problèmes avec son frère. Tu es là avec ta petite voix. Vraiment, ton frère, là, il exagère. Son frère exagère. Son frère. Ton frère exagère vraiment. Même quand j'étais allée chez lui, tu te rends compte qu'il ne m'avait même pas servi. Tu te rends compte, il avait fait ceci. Nalingueb, c'est un Noki. Noki. Ah. Pourquoi? Tu les as trouvés. Tu les as trouvés. C'était deux bébés de leur maman. La pensée de leur maman, c'était les voir grandir. La pensée de leur maman, c'était s'il a 10, il donne 2 à l'autre. La pensée de leur maman, c'était les voir avoir des enfants où il y a Papa Leki, Papa Kouloutou, Noko. C'était la pensée de cette maman. Mais toi, tu arrives là-bas, lorsqu'il y a des divisions comme ça, tu es derrière et tu dis que tu es saint en Christ. Je vais aller à Triomphe 21, je vais aller à Bunda, je vais aller à Alpha et Lokoté. On est ensemble. Elle nettoyait derrière, elle nettoyait, elle prenait sur elle, elle prend sur elle, prend sur toi. C'est ça le mariage, jeune fille, plus de lieu de miel. Nous, 16 ans, il n'y a plus de... Oh, Missou. Là, un défaut, tu dis non, son frère a raison. Ça, c'est mon mari. Ok? Tu assumes, tu dis, son frère, là, il a raison. C'est pas même quand ton mari n'a pas raison. Non, c'est nous, non. Tu es chrétienne, tu es calme, tu dis, ça, c'est mon mari. C'est mon mari qui a fauté. C'est mon mari qui n'a pas été poli avec son grand frère. C'est mon mari qui n'a pas été ceci. Quand tout se calme, vous rentrez dans la chambre, tu dis, chérie, c'est pas correct. Ton frère avait raison. Non, je ne peux plus. Non, c'est quand même ton grand frère. Hein? C'est quand même ton grand frère. C'est ça la Bible. Ça, c'est pas bien. Donc, après cette réunion, il y a des pardons qu'on va demander là. Au cas moi, quand on dit, pas coulou, tout n'est ni, oh là là, il est bien. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Les mamans, alléluia. Elle nettoie derrière. Une épouse qui nettoie derrière. Une épouse qui arrange. Une épouse qui arrange. Parce que tu les as trouvés, tu les as trouvés. Oh, pire, pire encore. Elle dit non, ta maman est sorcière. Ta maman est sorcière. La maman de quelqu'un peut être sorcière. Et ta tienne, là, elle n'est pas sorcière. Pourquoi c'est toujours la maman de l'autre qui est sorcière? Imagine, ce qui est bien dans la vie, Zarali Kelemba. Toi aussi, on va appeler ta maman sorcière. Ces jours-là, tu feras un massacre. Le jour qu'on appellera ta maman sorcière, tu iras faire un massacre. C'est pourquoi même si on t'a révélé, parce qu'aujourd'hui il n'y a que des révélations, garde ça pour elle, il faut que tu respectes, que tu l'aimes et que tu travailles pour la paix. Papa, je croyais avoir un grand amen. Peut-être qu'on ne t'a jamais dit. Hein. Peut-être que même dans la belle famille, on t'a déjà donné un nom. Les genres de noms X-Orae, X-Orae. Oh, X-Orae. Quand tu arrives là, il y a déjà un nom. Hein? Eh, oui. Nanyangwaye. Mopanza Makita. Nanyaye. Mopanza Makita. Épouse Abigail, on est là. Donc elle était diplomate. Cette femme savait se rabaisser. Cette femme protégeait sa maison. Cette femme travaillait. Pourquoi? Pour l'avancement de sa maison. Cette femme a toujours rappelé cette femme de Matthieu 27-19 qu'on appelle Claudia Procula, la femme de Ponce Pilate. Okay? Cette femme qui avait conseillé, qui dit à son mari, ne tue pas cet homme. Cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Vous connaissez l'histoire? Il dit, on va faire périr cet homme. Elle dit, oui, c'est vrai. Mon mari, c'est vrai. Mais pourquoi tu veux tuer cet homme? Je dois tuer cet homme. Il dit, j'ai fait un rêve, j'ai fait un son, je n'arrive pas. Ne tue pas cet homme. C'est un saint homme de Dieu. C'est un saint homme de Dieu. Amen. Enfin,
faute de temps. Anne, la prophétesse. Là maintenant, la jeune fille est passée. Les leçons, quelques leçons des épouses. Mais je vais m'adresser aux femmes âgées, qui sont des mères, qui sont des grands-mères. Depuis un moment, quand je fais mes études, un constat, je me rends compte que nous entrons trop tôt au garage. Amen. Nous arrêtons vite, nous baissons les bras vite. Et pourtant, chaque âge, nous pouvons servir Dieu. Chaque âge, nous pouvons apporter quelque chose à notre génération. Il y a une femme qui me bénit beaucoup. Pas forcément parce qu'elle prêche bien, j'aime comment elle prêche, ça n'a rien à dire. Mais à chaque fois que je la vois, je prie pour elle, je dis Seigneur, que cette femme reste en vie parce que c'est un modèle et femme de cet âge-là, Joyce Meyers. Quand je la vois en train de prêcher, je dis waouh, cette femme veut simplement nous dire que même à cet âge, nous serons debout en train de prêcher. Quand je vois comment elle remplit les stades, elle est là et tout, je dis Seigneur, à cet âge, je vais tellement écrire des livres, je vais commencer à faire des grands rassemblements. Pourquoi? Parce que j'ai vu. Maman âgée, 60, 70, la Bible parle de cette femme, Anne la prophétesse. Anne, je relate les faits, n'est-ce pas? Anne avait fait 7 ans de mariage. Nous sommes dans, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Luc 2, tu y vas, verset, on y va jusqu'au même à 36, 30, 36 par là. Elle était veuve, on est là? On est là? Elle était veuve, elle avait fait 7 ans de mariage, elle a perdu son mari. Mais elle a vécu jusqu'à 84 ans. Elle était là. Mais c'est que la Bible dit, il y avait aussi une prophétesse Anne, fils de Phaniel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu, nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Acclame le Seigneur pour cette femme. Applaudissements. 84 ans. Est-ce qu'elle est debout? 84 ans. Toujours les hauts talons, femme? 84 ans. Peut-être les genoux. 84 ans. Les maux de dos. 84 ans, peut-être un problème de sucre. 84 ans, peut-être un problème de tension. Vous êtes avec moi? 84 ans. Mais la Bible dit que cette femme âgée, cette prophétesse, quoi qu'elle avait commencé tôt, mais jusqu'à cet âge-là, elle était tous les jours dans le temple, dans la prière. Non seulement dans la prière, et à l'annoncer Christ à toute personne qui voulait l'entendre. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Tous les jours, elle était là. C'était une mère, c'était une grand-mère, c'était qui, je ne sais pas. Mais son âge-là n'était pas vide. À cet âge, on devient une bibliothèque. Waouh. À cet âge, tu deviens une référence. À cet âge, tu deviens un livre ouvert. Il y a des mamans de plus de 50 ans ici certainement, ou ceux qui me suivent en ligne. À cet âge, tu deviens une bibliothèque. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la vie l'expérience du déjà vu. Vous êtes avec moi? L'expérience du déjà vu. Tu vois un garçon comme celui-là? Non, Ornella, viens. Ornella, viens. Viens vite, s'il te plaît. Tu vois une fille comme Ornella? Viens, s'il te plaît. Ornella. Ornella est beaucoup moins âgée que moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand elle vient en entretien avec moi, maman, il y a tel problème, il y a tel garçon, il y a tel ceci. Même sans parole de connaissance, j'anticipe. N'est-ce pas? Avant, on le fait souvent. Hein? Sans parole de connaissance, j'anticipe. Maman, tu sais, je ne l'aime pas vraiment, mais je l'aime un peu. Là, je sais déjà qu'elle aime beaucoup. On est ensemble? Maman, maintenant, là, je ne pense pas vraiment à lui, mais bon, ça m'arrive quand je commence à lire, je vois son visage. Donc déjà, elle est amoureuse. Parole de connaissance? Non. Quand elle va se marier, quand elle viendra me dire, je me demanderai comment il va? Un peu. Et donc, comme il est bébé, comme il est inda. D'accord? Alors quand on va encore parler, et dis-moi, qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui? Je veux dire, il y a un problème. Expérience du déjà vu. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Du déjà vu. L'âge, en fait, c'est bénéfique. Autant d'années, c'est bénéfique. Tu as quel âge à peu près? Dans les 10? 20 et quel par là? Je suis dans 40 et quel par là? Alors, tu imagines. Ah, j'aurais une grande fille comme ça. Tu imagines?
le vécu. Dans les vécus, il y a des expériences. Dans les vécus, il y a des pleurs. Dans les vécus, il y a des ratés. Il y a des ratés. Dans les vécus, il y a un homme qui t'a aimé, qui t'a lâché. Dans les vécus, il y a un homme qui t'a trompé. Dans les vécus, il y a la perte d'un être cher. Tu comprends? Dans les vécus, il y a un enfant difficile. Dans les vécus, il y a des projets qui ont raté. Dans les vécus, il y a des mauvaises décisions. Dans les vécus, il y a des choses comme Naomi. Mais quand tu es Ruth, ça va. Tu es Ruth et que tu t'attaches comme à cette femme Naomi, bien-aimée, tu gagnes. Tu gagnes. C'est dans cette génération qu'on enterre les gens, qu'on oublie les gens. Mais bien aimé, cette génération fait mal parce que nous ratons quelque chose. Nous ratons beaucoup de nos mamans, nous ratons beaucoup de nos grand-mères. Tu vois, la grand-mère aujourd'hui, tu dis, elle n'est pas jolie. Si elle te sort ses photos sans make-up, elle est beaucoup plus jolie que nous avec nos make-up et des cheveux à Rosomba. On est là? On est là? Alors bien aimé, moi mon problème ce matin, je peux faire l'inverse mais je conscientise les femmes. À cet âge-là, comme Anne la prophétesse, elle était à l'église, elle était au temple. Tu ne peux pas être là tous les jours, mais avec les lives tu peux suivre tous les jours. Elle ne pouvait pas être là tous les jours, peut-être aujourd'hui, tu peux envoyer tes petites cotisations des mémés. Vous connaissez les cotisations des mamans, où elle envoie peut-être ses 500 francs, elle envoie ses 10 francs. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je mets ça dans l'œuvre, je contribue pour l'œuvre. Ne sois pas une femme âgée vide. Sois une femme âgée qui porte sa génération dans la prière. Sois une femme âgée qui prie pour ses enfants, qui prie pour ses belles-filles, qui prie, je ne sais pas, pour ses cocos, qui bénit ses cocos, qui dit, je serai au service de Dieu afin que l'alliance que j'ai faite avec Dieu par le service puisse crier dans ma maison. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Afin que l'alliance, je parlais de l'alliance du serviteur de Dieu, de la servante de Dieu, puisse crier lorsque mon fils sera face à un défi, lorsque ma fille sera face à un défi. C'est pourquoi, quoiqu'elle avait 84 ans, elle était au temple, elle était concernée, elle évangélisait, elle parlait de Jésus. Il y a 1000 moyens de parler de Jésus. Il y a 1000 moyens d'instruire. C'est pourquoi la Bible dans Tite, on nous dit que la femme âgée puisse faire quoi? Puisse instruire les femmes moins âgées. Nous avons besoin de votre instruction. Nous avons besoin de nous asseoir comme sur ce palmier de qui? De Déborah. Où on se met? Vous vous rappelez à l'époque où il n'y avait pas Facebook, qu'est-ce qu'on faisait au village? Qu'est-ce qu'on faisait? On mettait le feu, hein, le feu. On allait chez la grand-mère. La grand-mère était là. Ah, village des Anelengi. Le village des Arabes bio. On était là, la grand-mère nous racontait des histoires. Il dit, vous savez, votre papa, il était turbulent. Vous savez, moi, j'avais fait ceci. Vous savez. Ça faisait du bien. Mais est-ce qu'on a encore le temps de les écouter? Ça, c'est aussi une chose. Quand même, nous allons les visiter, chacun de nous a un téléphone. Et puis, ils nous observent pour dire, vous êtes venus pourquoi? Et c'est qui est encore pire? Lorsqu'elle n'a peut-être pas ta vie ou bien à peu près. On est dans, moi je ne prends pas ces taux. Hein. Moi je prends du Volvic. Moi je ne prends pas ces taux. Hein. Moi je prends de l'eau. Maillot à pompe, il y a une colissao. Donc, si, mais soudé. Ça c'était en passant. On est ensemble. J'aimerais te dire, tu es une bibliothèque. Parce que tu as déjà l'expérience du déjà vu. En ce moment-ci, elle était là, elle comptait ses jours, elle disait, si je 84, pour les plus vigoureux, oh peut-être j'ai dépassé, peut-être que j'aurai 90, j'aurai 100, et peut-être même pas. Alors comme il me reste peu de jours, ce temps-là, je veux le mettre au profit de Dieu. Ce temps-là, je veux maximiser, je veux planter pour Dieu, pour les générations d'après. Alors je bénis mes enfants. Alors je cherche la paix. Cause à la coco on doit quitter. Cause à la coco amouté mama bété. Où on dit les coco sont mité mama bé. Non, toi tu es coco et amouté maya bien. Amen. Ne tombe pas dans l'aigreur, ne tombe pas dans la comparaison, ne tombe pas à dire mes enfants n'ont pas réussi, les enfants de l'autre ont réussi, alors tu deviens aigri. Même si les enfants des autres ont réussi plus que tes enfants, j'aimerais te demander ce matin à dire Seigneur, je te bénis pour ce que tu as fait dans la vie de l'autre et j'attends que tu fasses quelque chose dans la vie de mes enfants. Ne sois pas, ils ont eu, les miens ne sont pas mariés, ils ont eu, les miens n'ont pas d'enfants, ils ont eu, les autres sont chômeurs, ils ont eu, non, ceux-là tes enfants, il faut les bénir. Il faut les bénir. Il faut être là pour eux. La Bible dit, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle priait.
Elle l'instruisait comme la maman de Lemuel. Elle parlait à Lemuel comme dans Lemuel dans Proverbe 31. Elle parlait, elle l'investissait. Ne pars pas avec ce dépôt, je t'en prie, maman. Ne pars pas avec ce dépôt, papa. Ne pars pas avec ce dépôt. Ne finis pas dans l'aigreur. Ne finis pas dans les murmures. Ne finis pas. J'aimerais comme cette femme, la Bible dit qu'elle était morte dans les louanges. Elle louait Dieu avant de partir. Elle était dans les louanges et elle annonçait Jésus. Bénis Dieu, parce que plusieurs ne sont pas arrivés à cet âge. Plusieurs ne sont pas arrivés à cet âge, mais que cet âge ne soit pas vide, que ce âge puisse être rempli des bontés, que cet âge soit rempli de quoi? De paix et d'harmonie que tu lègues dans ta famille, des valeurs que tu lègues, où tu regardes ton fils ou ta fille qui a beaucoup d'argent, tu dis tu dois faire ça. Où tu regardes ta fille, tu dis tu dois arrêter ça. Où tu regardes ta fille qui t'amène des millions et c'est l'argent d'un mari d'autrui, tu dis, ce n'est pas l'héritage que je veux te léguer. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Où tu regardes le cadet qui commence à manipuler les aînés parce qu'il a l'argent, tu dis, non, un cadet reste un cadet. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas ce langage. Kokoana Zarandoki, ça peut vouloir dire quoi? Amen. Elle a attendu de vieillir pour devenir sorcière? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Elle a attendu ça? Vous êtes avec moi. Donc en ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu lègues cet héritage. Je me souviendrai toujours d'une scène que je n'oublierai jamais de ma mère. Autant dans les 100 enfants, Believe arrive. Elle portait Believe et puis à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Alors je l'entends prier. Elle dit, je te bénis. Je te bénis ma petite fille, je te bénis. Je veux que tu sois comme Esther. Je veux que quand tu entres à un endroit, que les gens t'admirent, que les gens t'apprécient. Je voudrais que quand tu auras besoin de quelque chose, que les gens soient prompts à te donner. Je te donne la grâce d'Esther. Je te bénis. Elle bénissait. J'ai dit, waouh. Elle bénissait ma petite fille. Elle disait, cette épreuve par laquelle ta maman est passée, je voudrais qu'une fois que tu vas te marier, que tu puisses avoir tout de suite des enfants. Elle bénissait. Nous avons le pouvoir de bénir. Nous avons le pouvoir de bénir. Lorsque Rebecca était partie, la Bible dit que sa mère, ok, et son frère dirent Rebecca soit une grande nation. Ils disent Rebecca, que ta postérité soit grande. Bien-aimée, Rebecca est la mère d'un homme incontournable, le père d'Israël. Tu n'as peut-être pas la même vigueur, mais tu peux bénir. Tu n'as peut-être pas la même vigueur, tu peux bénir. Et lorsque nous serons en Égypte, lorsque nous serons chez les Philistins, on dira, l'alliance de ma grand-mère est en train de crier. Le pasteur nous a toujours dit que sa grand-mère, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait offert sa maison, n'est-ce pas? Pour l'église. C'est normal qu'il soit pasteur aujourd'hui. Sa grand-mère, il paraît une construction à sa manière. Elle a construit. C'était pour l'église. J'aimerais construire une église pour ma descendance. J'aimerais continuer à servir pour ma descendance. J'aimerais dire à Dieu dans toutes les phases de ma vie, je ne suis plus jeune fille, je suis épouse. Lorsque je serai grand-mère, je veux changer. Je serai assise peut-être. J'écrirai des livres, j'instruirai les jeunes filles, les femmes et les femmes de mon âge. N'a qu'aussi la thé. Yepsa Moninga n'a aussi la thé. N'a aussi la thé. Alors quand on aura construit le temple, je dirai, pasteur, please, qu'on fasse l'ascenseur pour ma colise. Oh, ma tessu escalier. Oh là, pas de problème. Ascenseur. On arrive là. Voilà, on a vibré sous beauté, c'est fini, plus de voix. Que le Dieu de grâce vous bénisse. Ma onction. Que le Dieu de grâce vous multiplie. Qui rêve de ça? Qui veut de ça? Donc femme, prends conscience. Je peux faire un séminaire pour les femmes pour ça. Mais prends conscience, célibataire, épouse, femme âgée, cette affaire nous concerne. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, je vais être apte à toute période de ma vie. Je vais être debout à toute période de ma vie. Hallelujah. Remember
touching every life. I worship you.